Salut les barbares, ici Suzy de Warzone, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une War Recap un peu particulière puisqu'il s'agit de ma toute première War Recap pour un match officiel de CWL. Ça y est, c'est bon, on est officiellement un clan Invite pour la saison 4 et donc le week-end qui vient de passer, Warzone 68 a eu le plaisir de rencontrer North Remembers. Donc c'était notre tout premier match CWL et on s'est amusé avec l'équipe de NR à faire une GDC à 50 et c'était de la folie. Donc voilà, je suis immensément fière de vous présenter cette récap. Ça fait un an qu'on travaille dessus et surtout, avant de commencer, j'aimerais dire que je suis très 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 fière de l'équipe. Je vais commencer par le staff parce que d'habitude je finis toujours par eux, mais là je voudrais commencer par le staff. Ça fait un an qu'on travaille ensemble, qu'on s'est construit toute cette relation qui va avec des hauts et des bas, hein. Et donc c'est grâce à eux si voilà, on a tous été motivés pour arriver jusque là où on en est aujourd'hui. Et donc un petit mot aussi pour tous les Warzone Boys dont je suis incroyablement fière, bien entendu, qui ont travaillé dur, d'arrache-pied, qui ont pris sur eux, qui ont respecté les règles, et voilà. Donc aujourd'hui, on y est, et c'est grâce à tout ce travail de toute une équipe. J'oublie pas non plus tous ceux qui sont passés par Warzone et qui ne sont plus à Warzone aujourd'hui. Chacun à leur façon a contribué, a posé sa pierre. Et il y en a qui sont partis, comment dire, et que moi je continue de regretter parce que voilà. Et il y en a aussi un paquet que j'espère bien revoir très bientôt. Et eux aussi, ils ont participé. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de faire un petit coup de remerciement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va... Ah oui, on va regarder les stats sur cette GDC. Donc voici, elles sont là, elles sont très très belles. C'était une GDC donc à 50 avec un breakdown de 7 TH11. 20 TH10, 23 TH9 par côté et regardez les stats. On a fait 99,5%. On a fait deux fail deep, ils sont là, vous voyez, les 11v10. Un peu de précipitation, un peu de stress. Donc voilà, deux fail deep, c'est dommage, mais c'est pas plus mal en fait, c'est même très très bien parce que pour un tout premier match de CWL, ce score là, 149 sur 150, c'est énorme. Donc voilà, au niveau des stats un peu plus détaillées, on a vraiment bien cartonné, 88% en 11v11, c'est-à-dire on a fait 7 11v11 sur 8, on a fait 15-10v10, c'est un très très joli score. L'équipe des TH9 a fait un travail monstrueux avec un joli 68%, 23 sur 34, c'est joli, vraiment. Donc voilà, c'était juste fantastique. Avec donc le travail des TH9, on a pu avoir donc 12 scouts sur les TH10 pour les ouvrir et c'était juste très très bien. Du côté de North Remembers, ils ont fait un score tout à fait honorable, 143, c'est très bien. Ramener ça à une GDC normale de 40 versus 40, ils auraient niqué pas mal de clans avec ce qu'ils ont fait. 3 11v11, ils ont fait 9 10v10, ce qui est vraiment très bien aussi. Et bien entendu pour les TH9, bon, c'est très classique comme
comme score d'avoir minimum 50 à 60% pour les TH9. Donc voilà. Bien entendu, j'ai un paquet de gameplay à partager avec vous. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous imaginez une GDC à 50 comme ça? Et je vous raconte pas l'ambiance, c'était fantastique. Allez, on va commencer. Donc, journal de guerre. Donc, dans les GDC. Ah oui, donc vous avez vu ici, en random, on est tombé donc sur By Forever, on l'avait vu. Elite Gaming, ça c'était notre match roulette. Donc voilà, 110 à 107, c'était pas mal. Voilà, North Remembers, c'est ici, c'est donc le premier match CWL de Warzone 68 et on a fait 149 à 143, 99,48% de destruction pour nous et 95,54% pour eux. Donc voilà. Allez, on va attaquer de suite les gameplays des TH11. Je ne vais pas pouvoir tous les montrer. Je m'excuse auprès des copains qui vont pas figurer sur la récap, mais en général, j'essaye de faire tourner. Allez, c'est Mig qui commence le bal pour les TH11 avec ici. Ça va être un suicide Lalo. Vous commencez à connaître cette attaque. On a ici un funnel avec un bébé drague et un servi. Il va y avoir roi, reine qui vont aller choper au moins une entière. Et ensuite, le Lalo qui va finir avec un joli puffing. Ça, on commence à avoir l'habitude avec Mig. Donc voilà, ici, sa kill squad. Donc, l'équipe de la première phase arrive dans le village. Roi, reine, warden avec des boulistes. Ils sont là, donc c'est pas un suicide Lalo. C'est un kill squad Lalo. Je rectifie parce que sinon après je vais me faire gronder sur les chats. Alors voilà, donc il y a une entière qui est tombée, il y a une TDE qui est tombée et regardez, deux petits pre-shots pour deux speed en pre-shot et le Lavaloon est envoyé. Les ballons sont poussés très rapidement vers l'intérieur et ils vont renforcer, profiter du tank du Molosse et regardez le chemin qu'ils vont faire. Ça va être un espèce de L dans tout ce village. Voilà, ici on a le rage qui a été posé ici sur la TDE. Le Molosse ici a bien descendu la vie de l'entière et ça va être juste easy peasy pour Mig qui finit avec un Tristar sur ce village. Très très belle attaque, bravo à toi Mig. Alors, ensuite sur le 4, c'est Tota qui s'y colle. Voilà, donc pareil, c'est une attaque R, un village un peu en forme de diamant. On a un speed qui ici va venir tout de suite tuer une TDA et une TDS pour que le bébé drague puisse ici funneler. C'est très très bien pensé. Le warden est lancé quant à lui à 3 heures. Et donc là, pour l'instant, chacun fait son petit taf, on est tranquille. Voilà. Le saut, tout de suite. Voilà. On a attendu que le Warden détruise ici les deux petits bâtiments pour que justement tout le monde prenne bien le saut. Le roi, la reine, les boulistes et le Warden, tout le monde a pris le saut, entre vers le village. Le CDC adverse est provoqué et sorti, le poison bien posé. Et là, on a toujours les anti-aériennes. Mais, il y a une TDE qui est tombée, ce qui est pas mal. Il y a, il me semble, aussi la reine adverse qui est tombée. Ça, c'est très très bien aussi. Et enfin, si, il y a une entière qui est tombée. Donc voilà, on a eu une bonne partie, un bon quart ici du village rasé avant même d'envoyer le Lavaloon. Très joli déploiement de sort.
Et regardez donc le chemin que les ballons vont prendre tant qu'ils parlent le molosse ici. Ça va être facile. Ils vont remonter, ils se regroupent et ils vont remonter. Donc là, à partir de ce moment-là, ils sont quasi indestructibles. Derrière, on a déjà du clean avec les puppies, hein, des lavas qui ont explosé. Et on est bien là. Tranquille. Dernière réserve. Et voilà. Très bien joué, bravo à toi Tota. Alors, après Tota, on va regarder, c'est un P qui a fait cette attaque. Donc sensiblement la même compo. Pareil, même technique avec un speed pour pousser des ballons tout de suite pour aller chercher. Ici, il y avait un mortier. Là, on a ce ballon qui a pris les petites bombes pour que le bébé drague soit tranquille. Voilà. Le roi arrive ici avec la reine et le warden. Casse-brique. Et boum, ouverture. Comme ça, la reine et les boulistes entrent directement. Regardez. L'entrée dans le village, le CDC adverse est sorti. Ouh, une petite Sasa ici. Ça, c'est dangereux. Mais on va s'en débarrasser. Tranquille. L'Arc-X tombe. La reine focus la TDE ici. TDE mono, ça fait mal. Elle prend ici une Tesla. Et elle va même arriver à temps pour descendre une entière. Il reste deux entières ici, mais qui ne vont pas faire long feu. Regardez ce joli lavaloon. Deux lavas sur cette dernière entière. Le rage ici qui a poussé tout le monde. Et là. Ça va passer crème. Il faut juste que les ballons arrivent assez nombreux et rapidement ici sur l'aigle pour pouvoir le descendre le plus rapidement possible. Le soin, on était en vocal ici et donc on était avec un P et je me souviens que Anto était là. Attends, attends bien que tout le monde soit bien au sud pour mettre le soin et tout. Et un P, ouais, t'inquiète. C'était drôle. Donc voilà. Allez, ça, c'est une épilation totale de fait et bien faite. Bravo, 1P. Nice. Allez, encore une attaque TH11. C'est celle-ci. Et c'est Damien sur Hypnou. Là, avec les gameplays des TH11 que je vous envoie, vous avez de quoi faire des progrès pour cette attaque-là. Allez, deux petites archères et un bouliste pour commencer le funnel. Il y a eu une ouverture au casse-brique ici. Roi, reine, warden, le reste des boubous, ils sont là. Avec un rage tout de suite, parce que vous avez vu le paquet de def qu'il y a. CDC adverse, provoqué, sorti, poison, posé sur leur chemin. On est tranquille. La reine est tankée par un bouliste et protégée par le warden. Elle a pris une entière. Elle s'attaque maintenant à la TDE. Non, pas encore. Ah oui, le CDC. Il reste encore une sorcière ici. Et. Donc, ah mince, tout le monde est mort. Et la sorcière! Regardez, il y a encore la sorcière! Ça fait mal sur une attaque, ça, quand il reste une petite sassa comme ça. Heureusement que les speeds, le rage poussent tout le monde très rapidement à l'intérieur du village. La sassa est un peu lente, du coup, elle a un peu de mal à intervenir. Et ce sont les pups des lavas qui vont s'occuper d'elle et lui régler son compte. On est bien. C'est tranquille, il y a encore masse loons ici pour cette petite zone de DPS. On est à l'aise et ça passe crème. Et voilà, tranquille.
Bravo, Ibnou. Allez, on va passer aux attaques des TH10. J'en ai quelques-uns à vous montrer. Hop, ici, on va commencer par Stag, qui va nous faire une compo air sur un village un peu en forme de. En forme de. Je sais pas, on dirait un polo inversé. Vous voyez là, les manches, le col, etc. Enfin bon, bref. Alors, ouverture casse-brique pour la reine. Ici, il y a deux magnifiques anti-aériennes qui n'attendent que la reine. Le roi, pendant ce temps-là, il a fait son petit funnel à l'aise. La reine prend en bonus une TDE. Voilà, là, on aime bien. Là, elle va prendre une Arc-X. Enfin, elle target quelque chose, mais bon, il y en a trop sur elle. Et allez, petit pré-shot de speed. C'est joli ça. Lavaloon envoyé. Les lavas se jettent sur les anti-aériennes pour les tanker. Et pendant ce temps-là, les ballons sont derrière en renfort. Il lui reste là à ce moment-là 15 ballons. Il y a déjà un tiers du village qui est rasé. Allez, un petit paquet ici sur les deux Tesla. Et le reste. Ting 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 ting. Voilà. Encore un rage dans sa poche. Il va pas vraiment en avoir besoin du tout. Il y a du clean. On est bien. C'est tranquille. Swag, rage. Très belle attaque. Bravo à toi, Stag. Nickel. Allez, on va regarder ici celle-là à Rome, mon petit Rome sur Rombi. Hop, il va nous faire un petit gobohog. 4 soins, ça promet d'envoyer du jambon. Allez, un petit hogs ici. Voilà, des petits squelettons qui sont comment dire déclenchés. Voilà, on a un petit la P1 avec Golem, Roi Reine et Bouliste Ragé qui vont s'occuper de cette grosse zone avec Tesla, Arc-X, le CDC, le soin les a bien aidés. Voilà, là il y a trop de couleurs et tout le monde est en train d'attaquer partout. Mais en tout cas, on est déjà à 40% de destruction avant même que les Hogs soient lancés. Et les voilà, les Hogs, ils arrivent. Une petite double bombe, mais Rome a encore 3 soins. Le premier arrive ici avec la deuxième vague de cochons qui les rejoint. C'est nickel. On est très bien, il n'est pas avare en soins, il assure sa compo. Le puffing pour les hogs se fait là comme ça un peu en accent circonflexe. Et là, c'est tranquille, on a encore un soin. Mass hogs, on est bien. Quelques sosos pour le clean derrière. La reine est encore en pleine forme. Elle est derrière un bouliste et elle va prendre le CDC qui est au centre. C'est absolument nickel. Belle attaque. Bravo, Rome. Hop, donc ça c'était le 16. Après le 16, on regarde le 17. C'est Energized qui a fait cette attaque aérienne. Et là, il va y avoir un petit squelette. Allez, deux boulistes ici pour déblayer déjà. Le mortier est tombé, comme ça le roi va avoir le temps de faire son petit déblayage à l'aise. On a un casse-brique test qui démine ici une bombe.
deux géants qui arrivent, ils vont prendre le focus des canons pendant que le reste des casse-briques arrivent, profitent du rage de la capa du roi, la reine est ici et tout le monde va entrer à l'intérieur. Voilà, enfin surtout la reine, c'est le plus important. Elle a ici donc une anti-aérienne à prendre, c'est fait. Et elle va pouvoir prendre ici. Allez, est-ce qu'elle va y arriver? C'est bon, la TDS est tombée. La TDA aussi, c'est magnifique, sa capa est activée. Et là, elle arrive à prendre... Ah non, c'est loupé pour la TDE, la tour à bombe. Mais ce n'est pas bien grave. On s'en fiche un peu pour le Lavaloon qui est lancé maintenant. Avec le rage juste après les speeds. Ici on a des speeds en pré-shot encore. Et le squelette, il a été envoyé ici. Voilà. Ces squelettes vont inlassablement aller ennuyer la TDS qui du coup les a focus. Et comme ça, les ballons ont pu descendre la TDS par derrière. C'est super ingénieux. Belle attaque Energized. Bravo, bravo. Et voilà. On est bien là. Alors, après le 17, on va regarder le 18. C'est Bang dessus. Hop. Voilà. Allez. C'est parti avec un funnel assez large. Ici, deux servis. Ici, un sorcier. Le roi, environ à peu près au milieu. Ça, ça promet aussi du déploiement. Je vois 6 sorts de haste. Il y a 4 casse-briques. Donc, alors, les voilà, ils arrivent. Boum! Une superbe double ouverture. Enfin, double ouverture, une ouverture, voilà. Il y a plein de trous. La reine arrive à l'intérieur. Elle va prendre la reine adverse. Après, l'anti-air. Nickel. C'est bien joué. Le CDC est sorti. C'est un lava. Et maintenant, le Lavaloon peut arriver. Il y a ici un petit sorcier dans le CDC adverse. Mais heureusement, il y avait le poison pour s'en occuper. Regardez tout ce déploiement de ballons. Il y en a partout, 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 partout. Et ils se renferment, ils se regroupent. Et plus ils se regroupent ensemble, plus ils sont forts, quoi. Et là, par derrière, il y en a encore. Ça entoure donc ces quelques défenses qui ne peuvent plus rien faire. C'est un carnage, cette attaque. Littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. Très joliment joué. Bravo, Bang. Alors, allez, on va sur le 20 maintenant. C'est Bob Killer. On va avoir du cochon. Funnel, voilà. Sorcier ici. Bouliste ici. Donc le bouliste qui target avec le rebond de son caillou le mortier. Voilà. Ici, golem et géant. Le géant prend en fait les coups de la Tesla, comme ça le golem il est juste derrière et il fait son petit coup en loose dé. La reine est tankée par tout le monde. Petit casse-brique test qui a déminé une bombe noire. Voici le reste. Boum! Pendant que tout le monde était en train de focus le golem, les casse-briques ont pu ouvrir et là le poison sur le chemin du CDC adverse. CDC adverse qui s'attaque au golemite et pendant ce temps-là, la reine, elle va s'occuper de tout le monde.
kappa activé pratiquement à la dernière minute. La reine adverse est tombée aussi. Maintenant que la reine a fait son taf, voici les hogs. Allez, deux soins directs sur cette zone avec TDE, Arkix, TDA, etc., etc. Encore des hogs qui sont déployés sur le côté, ça renferme en fait, le piège se referme sur les dernières defs. Et voici le squelette. Là, voilà, il est lancé ici le sort de squelette. Et regardez l'Arkix, comment il est affolé et il ne peut plus du tout jeter sur les cochons. Donc voilà, pendant ce temps-là, le roi, bah, il avance avec ses petits barbares, tranquille. Et les hugs, eh ben, ils font leur taf, hein. Ils détruisent les defs. Et voilà. Ça manquait peut-être un poil de clean, mais l'attaque est faite et le village est rasé. Alors, ici... sur Deus Ex Machina, c'est Pano. Pano, c'est mon petit Léo. Hop, un petit village un peu en forme de crabe, peut-être. Allez, une Sasa ici qui va faire un petit funnel. Ça, c'est sympa. Le roi, il va être un peu paniqué. La sorcière l'attaque à distance. Ici, on avait un gobelin pour déblayer un peu. Comme ça, la reine, elle se focus. Voilà, elle avance, elle fait son petit bonhomme de chemin. Les guéris vont la protéger un peu. Vous voyez, là, ça, elle est toujours là. Hein. Bon, un petit sorcier ici pour la renforcer un peu parce que c'était trop long sinon. Mais le roi adverse est mort. Ça, c'est bien pour une attaque aux hogs. On a eu un casse-brique test. Et le reste des casse-briques qui arrivent, et boum, ouverture que la reine s'empresse de prendre. Et ici, elle va niquer une TDA, un Arkix, encore une double ouverture avec les casse-briques, et bam, et bam, et bam, fait le casse-brique deuxième vague. Mais elle va quand même réussir à choper la reine adverse, et le poison va profiter aussi au CDC adverse. Voilà, ça va. Faut toujours être flex et savoir s'adapter. Et surtout garder son sang-froid, ce que Pano a bien fait. Voilà, sa reine ici a pris le focus des deux Arkix qui n'ont pas vu passer du tout les cochons. C'était fantastique. Allez, du soin, en veux-tu, en voilà. Pareil, un petit puffing en accent circonflexe, on va dire. Ici, regardez, deux géants qui vont prendre le target de la TDS et des canons. Et le temps que le canon se retourne, c'est trop tard. Il a déjà 4 hogs sur lui et il est déchiré. Donc voilà, très jolie attaque de Pano. Bravo à toi. Allez, une petite dernière en TH10, ça va être celle-ci, c'est Lamsung. Encore une compo R, c'est décidément la compo du moment. Hop, oulala, regardez, 7 speed, on va avoir un joli chemin de haste. Allez, petit sorcier ici, petit bouliste ici. Là, on a deux anti-airs à prendre, pas loin de la reine en plus. Un petit golem dans le CDC, qui ici prend le focus de la TDA, du canon et bien entendu du mortier. Comme ça, pendant ce temps-là, le roi, la reine arrive. La reine, bien, elle commence à nettoyer les defs. Casse-brique test
Réussi, donc la suite de Casbrick pour cette ouverture, tout le monde est à l'intérieur, on a déjà deux entières qui sont tombées, la reine adverse est en train de tomber, le CDC adverse est sorti et poisonné, et là la reine à l'intérieur, tankée par le roi tout à l'heure, jusqu'à tout à l'heure, elle a réussi à prendre pas mal de def. Une Arkix qui est tombée et elle va prendre encore une Arkix. Voilà, il ne reste que ces deux pauvres anti-aériennes pour défendre André contre cette invasion de l'Avalun. Regardez, ça va être impitoyable. Soufflette, pas peur. Tesla, pas peur. Allez, soin pour revitaminer tout le monde. Regardez le regroupement ici et là, il y en a encore qui viennent fermer par derrière les bâtiments défensifs. C'est, comment dire, c'est limite irrespectueux de l'adversaire en fait, cette attaque. Voilà. Ouais, je sais. Et puis voilà, hein, il n'y a plus rien à dire. Hein. Ah, j'ai une petite blague pour vous, en fait. Là, on fait un mini break. Alors, quel est l'animal le plus moche de la montagne? Ah. Un chalet. Ouais, je sais. Mais je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Et je rigole encore, en vrai. Là, j'essaye de me retenir, mais... Enfin bon, bref, allez, on va passer au TH9. Avec Popol qui commence le bal des TH9. Popol qui reprend enfin du service chez Warzone. Il avait fait une petite pause pour bien faire ses études, etc. Passer ses examens, nanana, et tout. Bien réussi en plus, hein, ce qui est fantastique. Voilà, alors la reine arrive par ici, elle va prendre l'Arkix. Le roi ici, il va prendre le focus des quelques defs. Et pendant ce temps-là, la reine, à l'aise, elle a pris déjà une entière. Il y a des casse-briques qui font ouverture sur ouverture. CDC adverse, c'est un dragon. Alors là, même pas peur, la reine est sous guérie. Le dragon, il va cracher de la fumée ailleurs. Soufflette morte, ici, cette entière qui s'offre à la reine de Popol. Voilà, la reine adverse arrive. Et là, ça va être mission remplie pour la reine de Popol. 34% à elle toute seule. Bon, avec le roi, je vous le concède. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Et maintenant, petit Lavaloon des familles. Piou! Les deux entières qui restaient étaient assez proches. Donc du coup, le chemin était vraiment très simple pour le molosse. Et là, voilà, beaucoup de clean. Il reste en plus beaucoup, beaucoup de ballons qui se séparent. Donc, ça se passe un peu mieux pour Popol, qui a fait donc une très, très belle attaque pour son retour. Allez, ici, c'est Lord Volx qui a enfin cassé sa malédiction et qui nous refait des petits tristars. Un petit AQH avec un BBD et un sorcier ici pour le funnel. Ça va être une compo sol. Un Gooeyhog, donc golem, sorcier et cochon. La reine fait son petit chemin. Le rage qui englobe bien les guéris et la reine. Comme ça, elle a tout le temps la patate. Et elle va même limite aller rejoindre le golem tout à l'heure. Après avoir
pris soin de se débarrasser du CDC adverse et du roi. Et là, le roi, il arrive avec ses boulistes. Il y a des casse-briques qui sont lancées aussi. Et bim! Voilà. Tout le monde entre ici dans ce compartiment et va prendre le sceau. Le roi se jette sur la reine adverse. Les boulistes font les boulistes. Et voici déjà quelques hogs qui arrivent. On est déjà à plus de la moitié du village rasé. On a une paire de Tesla ici que les Hogs vont prendre rapidement. Le soin qui ne tarde pas à être posé, c'est très très bien joué. Comme ça, tout le monde va se requinquer un peu. Le poison ici, c'était pour des petits squelettons qui avaient été déclenchés. Et voilà. Hein. Très bien joué. Bravo Lord Vox. Alors, après le 34, on descend un peu plus. Ici, le 41. Ça va être un Golaloon de Monster. Des Soso qui font du déblayage de bâtiments non défensifs. Un petit golem qui arrive. On a du casse-brique. Le test est concluant. La vague arrive. Boum, entrée. Allez, golem devant. Deux canons. Deux entières. Là, ça va être vraiment très parlant. Un petit sorcier ici a pris l'hôtel de ville. Le sceau ici qui ouvre tout le reste du village quasiment. Le rage à point nommé. La reine adverse est tombée. CDC adverse va tomber. Regardez, la reine de monster qui est tankée par tout le monde pète la forme. Là maintenant, elle s'attaque à l'Arkix. C'est good. TDA, TDS. Rayé de la carte. Allez. Le Lavaloon arrive. Les ballons ont été bien tankés par les molosses. Donc ils ont pu prendre tout ce qu'il y avait juste derrière sur la première ligne. Et là maintenant, avec le soin, ils arrivent sur la fin du village. Avec des servis en clean, les petits sosos de tout à l'heure qui ont fait le tour, et le village est rasé. Bravo à toi, Monster. Hop, allez, ici, c'est Mix. Alors, Mix va nous faire un petit AQH Hogs. Voilà, sur ce village-là. Leur base était vraiment pas vilaine hein, chez North Remembers. C'était pas mal. Ah oui, la QH hein, qui commence au sud à 6h. Funnelée par un petit bébé drag ici. Voilà. La reine prend ce canon. Derrière, il y a une tour à bombe. Et la reine adverse. Le bébé drag continue son chemin. Il tanque le sorcier qui fait un bon petit déblayage. Voilà. Ici, on a un géant qui a été envoyé. Il a sorti le CDC adverse. Le roi, pendant ce temps-là, se débarrasse justement d'une partie du CDC adverse. C'était des Valkyries, je crois. Il va maintenant aller au corps à corps avec le roi adverse. Bien entendu, c'est le roi de Mix qui gagne. Hop, on est déjà à un quart du village rasé avant même la deuxième phase avec les Hogs. Les voici, ils arrivent.
Le soin va être posé par là. Voilà. Ça va faire du bien à tout le monde. Et là, maintenant, il reste plus grand-chose du tout. Là, il y a encore Mass Hogs qui se regroupent et qui finissent les derniers bâtiments de défense. On est tranquille. Belle attaque, bravo Mix. Allez, là c'est la dernière gameplay, c'est le dernier gameplay que je vous montre. C'est l'attaque de Flo. Voilà, sur un village assez symétrique, un petit AQH avec du Hogs après. Un petit casse-brique test. Voilà, là il attend que la TDA et le canon soient, comment dire, divertis par la reine et le sorcier pour envoyer le reste des casse-briques. Il a bien fait. Du coup, ça fait une belle ouverture pour la reine. Le roi, pendant ce temps-là, il prend le sud du village. La reine est à l'intérieur. Il y a un molosse qui va exploser. Le servi arrive en renfort de suite. Il va défendre un peu les guéris contre les pups. C'est parfait. Allez. La reine est à l'intérieur. Les hogs arrivent. Regardez comme ils vont se regrouper ici. Là, là, c'est joli ça. Là, la Tesla, elle est partie. Ceux-là vont rejoindre le reste de la troupe. Le clean, pendant ce temps-là, bien entendu, il est déjà envoyé. Et là, bah, il n'y a plus grand-chose. Hein. Là, il y a une Arc-X, mais bon, voilà, les Hogs se dispersent et se prennent... voilà... Bon, il se traîne quelques petits squelettons, mais regardez tout ce qui arrive encore derrière. C'est un carnage. Et voilà. Village rasé. On est bien là. Donc voilà. Voilà quelques gameplays qu'on a sélectionnés. Merci à Boubou qui m'a aidé à faire la sélection parce que 50 villages, j'aurais jamais pu regarder tous les gameplays toute seule. Donc merci Boubou de m'avoir aidé à faire cette sélection. Bravo à North Remembers pour cette GDC de qualité. Là, on se rend compte que, ouais, en CWL, c'est un peu comme si on entrait dans la cour des grands. Et quand bien même on les aurait rencontrés avant en random, ça n'a rien à voir du tout quand on joue un match de CWL. Donc, encore une fois, un énorme bravo à l'équipe Warzone. 149 à 143, 99,5% de destruction. On retiendra ce score. On a fait un petit boom d'effet pour notre premier match. Ça, c'est plutôt funky. Maintenant, reste à voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va jouer 4B. Forbidden et j'espère que ça va bien se passer, sachant que voilà, c'est du gros qui nous attend. Donc voilà les barbares, je vous dis à très bientôt pour la prochaine War Recap, pour notre prochain match. En attendant, enjoy!